Marc Verrat est en résidence chez Transculture. Alors, Marc Verrat est à la fois. Mais je te laisse d'abord te définir. Oui, définis-toi. Qui es-tu, Marc Verrat? Eh bien, donc je suis artiste et enseignant-chercheur à l'Université de Savoie et au laboratoire Situ Paragraphe à Paris 8. Et puis, donc aussi chercheur associé à la chaire UNESCO ITEN, donc innovation, transmission numérique. Alors, tu as développé déjà depuis 2019 un dispositif que tu vas montrer ici qui s'appelle iReal. C'est un dispositif à géométrie variable VR, XR. Est-ce que tu peux le résumer? Alors l'idée, c'était de travailler aussi en même temps dans la VR, en même temps dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de coïncidence ou de dissémination entre différents systèmes de réseau, et que ces systèmes de réseau arrivent à nous faire expérimenter finalement la manière dont on entrevoit l'information comme un matériau artistique à partir de ces dispositifs VR ou réseau. Et donc il y a des cartes qui sont fabriquées sur Instagram et qui permettent d'ouvrir des mondes en VR, qui sont des mondes immersifs, et qui vont nous interroger sur la manière dont on les perçoit et dont on en a conscience. Et donc évidemment, chaque fois, le corps réagit différemment par rapport aux dispositifs esthétiques qui sont mis en place, et aussi ouverts par les cartes qui sont fabriquées, qui deviennent des objets en soi du dispositif. Alors, iReal a plusieurs mondes, ce sont des mondes virtuels. Est-ce que tu pourrais les nommer et donner un peu leur spécificité, parce qu'ils ont tous des différences esthétiques aussi? Alors avant de faire ça, il faut aussi souligner quand même que c'est un travail de groupe. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui viendrait, qui est fabriqué, que je fabrique. D'ailleurs, je ne programme pas et je ne fais pas non plus la partie sonore. Et donc c'est un ensemble de personnes qui vont intervenir et dans la manière dont elles interviennent, produisent aussi une forme d'usage différent de ces mondes. C'est-à-dire qu'évidemment, la partition sonore n'est pas là du tout pour illustrer le monde, elle est là pour interroger finalement la conscience qu'on en a, et donc comment donc notre corps va prendre conscience d'une forme esthétique à partir de la musique. Et ça, c'est très très important parce qu'on a toujours l'impression de croire que l'image se suffit à elle-même, et ce n'est pas du tout ce qui se passe justement dans les mondes immersifs. Alors donc, il y a pour l'instant cinq mondes qui sont possibles. Donc il y a le monde zéro qui est un peu le monde par défaut d'ouverture du projet. Tout simplement aussi parce que tout le monde nous dit qu'il a déjà fait de la VR, mais personne n'en a fait réellement. Et donc 99% des personnes découvrent la VR avec ce système et elles ont besoin progressivement de s'acclimater avec les outils, les manettes, etc. Le fait de prendre aussi des mots, hein, puisque l'idée c'est aussi de travailler avec le langage, la voix, etc. Et comment ces mots deviennent des objets qui nous permettent de nous diriger ou de construire finalement une forme de scénario à l'intérieur du monde. Et tout ça est assez difficile. Donc ça, c'est le monde zéro, qui est assez figuratif encore, qui ressemble un petit peu, on va dire, à un lac perdu entre les montagnes. Mais évidemment, il y a plein de choses qui se passent dans ce monde, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Le monde 1, qui est un monde où c'est machine to machine, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la place d'une machine, un peu comme un lidar. Et donc on va percevoir un environnement qui est un environnement recréé à partir de la 3D, mais comme si on était une machine. Donc ce ne sont plus que des coordonnées mathématiques qui nous permettent de nous repérer dans des espèces de fantômes du monde, mais qui sont des fantômes fabriqués par la machine. Alors, donc ça c'est le monde 1. Le monde 2, c'est un monde qui est très très proche de l'idée de la peinture, par exemple de Willem de Kooning ou de Alberto Gurri, et c'est pour ça qu'il s'appelle donc Il Creto. Et qui est un monde qui interroge notre vision et notre relation à l'horizon. Donc évidemment, cet horizon, il est perturbé par la manière dont on va détruire ou s'emparer de ce monde, qui va produire donc une espèce de glitch du ciel qui est fabriqué à partir de la Terre. Et donc c'est quelque chose de très coloré, on a du mal aussi à se repérer, et où ici, bien sûr, les mots ont un rôle à jouer à l'intérieur de cette progression. Donc le troisième monde est un monde, on va dire, peut-être le plus étrange, hein, puisqu'on est un peu comme le capitaine Nemo, on marche au fond de la mer, on est bercé par une vague wireframe qui nous permet donc de comprendre qu'on est dans l'eau, où on a finalement la surface de l'eau très très haut comme ça, où quelquefois on va passer des baleines ou des choses comme ça. Et puis dans ce monde, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une espèce de perception de plage sonore
par rapport à notre déplacement. C'est-à-dire qu'en fait, tout n'est pas donné hein, par le son immédiatement, mais le son va être finalement à être exploré hein, à partir de notre progression à l'intérieur du monde. Et ce son, il est aussi un peu comme des sons qui nous viendraient de l'extérieur, mais assourdis par l'épaisseur de l'eau. Et donc, ça peut être des sons d'explosion, des sons assez intéressants qui nous rappellent des choses, mais finalement, tout ça par rapport à une espèce d'éloignement comme ça du corps par rapport au système d'immersion. Et là aussi, encore une fois, c'est intéressant parce que le son a toute l'importance qu'il mérite par rapport à cette question de progression qui est développée par un certain nombre de systèmes interactifs. Le quatrième monde, c'est le quatrième monde, donc qui est le dernier pour l'instant qui existe, donc finalement le cinquième monde si on compte le monde zéro, c'est un monde qui est fabriqué à partir de tous les mots d'Alice au Pays des Merveilles, et ces mots sont à replacer dans une espèce d'architecture 3D qui au départ est complètement absente, hein, puisqu'on ne voit pas, on est un peu comme perdu dans une cave, et progressivement on va pouvoir se déplacer dans cette cave et dans ce labyrinthe, un peu comme Alice, à partir des mots qu'on replace, mais qui disparaissent aussi par rapport à notre progression, et qui sont aussi, encore une fois, associés à des plages musicales qui vont accentuer un peu une forme d'angoisse qu'on peut avoir quelquefois quand on est à l'intérieur d'une cave. Donc ce monde aussi a plein d'intérêts, c'est-à-dire que si on peut passer à travers les murs, mais si on passe trop souvent à travers les murs, on se retrouve coincé à l'extérieur du système, etc., etc. Donc voilà un peu chaque fois les différences des mondes qui explorent finalement la question de l'immersion de façon un peu étrange avec en corrélation entre le son et l'image. Alors tu es ici chez Transculture pour une résidence de recherche-création qui sont exactement ce que tu fais et là où est ton intersection, pour un nouveau projet qui s'appelle Vox Poétique et qui est un projet in progress qui aura d'abord lieu en Pologne et puis après dans un autre symposium en Argentine. Est-ce que tu peux en parler? Oui, dans un musée. Dans un musée. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça poursuit aussi des choses qui sont déjà un petit peu interrogées avec Ayril, mais qui vont aussi interroger la manière dont on va s'emparer finalement d'un territoire à partir des images ou des sons qui sont déjà latents dans ce territoire. Comment des sons, des images sont diffusées, circulent dans un territoire par rapport au flux médiatique, et comment on va s'en emparer pour, on va dire, les réorganiser à l'intérieur d'une dimension poétique, visuelle et sonore. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce qu'on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, c'est-à-dire que c'est quelque chose, hein, comme tu l'as dit, une progresse, et puis aussi qui va changer à chaque fois par rapport au territoire avec la langue, et non pas le langage, mais la langue parlée, et la langue aussi écoutée. Et ça, c'est vraiment très très important. Alors il y a quelque chose aussi à dire quand même, c'est que ce projet, il est associé à une thèse, et que évidemment, il va aussi enrichir la manière dont cette thèse va se développer, et qui est une thèse donc qui est faite par Monsieur Philippe Franck, avec lequel je travaille depuis un certain temps, et qui est directeur de Transculture et des pépinières européennes de création. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on retrouve les concepts, les préoccupations, et finalement les interrogations sous-jacentes qui sont déjà développées dans Transculture et dans les pépinières, et qui vont prendre une forme poétique et une forme visuelle, et sonore bien sûr, à l'intérieur de ce projet de recherche-création. Donc le projet de recherche-création nourrit finalement une interrogation esthétique par rapport peut-être à ce qui nous semble important dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire comment on va pouvoir rencontrer l'autre, comment on va pouvoir rencontrer un territoire, etc., etc. Alors, de manière générale, comment pour toi évoluent les questions et les pratiques artistiques, mais aussi pédagogiques de la réalité virtuelle, de la réalité mixte, de la réalité augmentée, et quel genre de futur immédiat tu entrevois, que ce soit dans ta création ou en général dans le panorama actuel? Ah ben, en fait, là, il y a quelque chose déjà, bien sûr, qui est à l'œuvre dans Ayril, mais qui le sera aussi dans Vox Poetics. Mais je pense immédiatement à un travail qui va être montré en Corée et au Japon, où c'est les deux interrogations principales qui me semblent, enfin qui me semblent et qui nous semblent importantes, parce qu'on est plusieurs à réfléchir là-dessus, c'est-à-dire le corps et le numérique.
comment le corps est l'élément le plus important qui fait sens dans le monde d'aujourd'hui, comment il réceptionne des sons, il les traduit, il les interroge et il lui permet à ce corps de rencontrer et un territoire et d'autres corps. Et comment aussi ce corps ne peut plus faire comme si le numérique n'existait pas et comme si finalement le corps se suffisait à lui-même. C'est-à-dire que c'est un corps en réseau, mais doublement en réseau parce qu'il est au milieu des autres et parce qu'il est au milieu des flux numériques. Et là, c'est vraiment peut-être les deux interrogations principales qu'on essaye d'interroger avec Ayril, avec Voxy Poétique, mais je pense aussi à l'album et puis aux installations de bols sonores qui vont être montrées en Corée ou au Tokyo. Et alors, donc, dernière question, donc on est dans... Tu es ici en résidence au couvent d'Autrage, chez Transculture. Quel est ton sentiment en fait sur ce rapport aussi quelque part transhistorique entre le 16e siècle et le 21e et qu'est-ce que ça t'a inspiré? En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on revient au 16e siècle, c'est le moment où on va être obligé, alors surtout avec les franciscains en fait, c'est parce que c'est un couvent aussi qui est lié à la pensée de Saint François. Et ce qui est intéressant, c'est que le couvent au départ, le cloître, l'abbaye est faite pour s'isoler du monde. Et puis qu'au XVIe siècle, on arrive à un moment où cette pensée ne suffit plus. C'est-à-dire que le monde va devoir aussi transpirer à travers l'enseignement qui est donné par rapport à ces lieux de culte religieux. Je ne défends pas du tout la question de la religion, mais comment finalement obligatoirement ce type d'endroit doit s'ouvrir au monde. Et on retrouve cette idée aujourd'hui avec l'installation de Transculture dans ce lieu, parce que évidemment on est dans une très très belle cour carrée, magnifique, etc., avec un podium tout à l'heure qui va servir, mais comment cette chose est tournée vers le monde et vers l'extérieur, même si on est dans une cour complètement entourée d'un cloître. Merci.